Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Promo Télévision pour vous informer. Après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation de scrutins nationaux, le gouvernement de la République s'est réuni ce vendredi 29 décembre 2023 en conseil de ministres sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est par une acclamation frénétique de membres du gouvernement que le président de la République a été accueilli par dans la salle, je dirais, du conseil. J'ai reçu la confiance du peuple congolais et nous devons travailler très dur pour maintenir cette confiance. L'ordre du jour de cette 120e réunion du conseil de ministres a prévu, outre la traditionnelle communication du chef de l'État, l'état de la situation sécuritaire et l'économie nationale. Les résultats partiels de l'élection présidentielle rendue publique par la CENI ou les chefs d'État et en tête suscitent réactions. Pour le secrétaire général adjoint de la REP, maître Camille Richard Kalele Malobo, l'Union sacrée s'est très bien battue. Le candidat numéro 20 était dans tous les fronts. Suivez-le au micro de Lola Kinyama. Alors, vous venez de suivre plutôt ce premier élément. Je disais tantôt, mesdames, messieurs, le résultat partiel de l'élection présidentielle rendue publique par la CENI où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en tête, suscite des réactions. Pour le secrétaire général adjoint de la REP, maître Camille Richard Kalele Malobo, l'Union sacrée s'est très bien battue. Le candidat numéro 20 était dans tous les fronts. Suivez-le au micro de Lola Kinyama. Notre famille politique, l'Union sacrée, s'est battue pendant un mois pratiquement. Tous les candidats, à quelque niveau que ce soit, d'abord lui-même le numéro 1, candidat président de la République numéro 20, donc notre champion, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur terrain tous les jours pour battre campagne. Vous prenez les membres du Présidium de l'Union sacrée, en commençant par le président Jean-Pierre Bemba et le président Mbosso, le président Bahati, le président Kamere, le premier ministre Samalou Kondé, le secrétaire général de l'UDPS Kabuya, et tous étaient sur le terrain. Vous prenez nous tous ici, tous les candidats députés nationaux, provinciaux, les municipaux, nous tous nous étions sur le terrain pendant pratiquement un mois, pour travailler, sans compter les temps mis avant la période proprement dite de la campagne. Donc on a travaillé depuis des mois, peut-être même depuis des années, pour mériter cette réélection. Donc, de notre point de vue, tout se déroule normalement. Les petits soucis ne manquent pas dans l'organisation d'une élection. Et c'est là dans le monde entier. C'est pas seulement en République démocratique du Congo qu'on peut se faire des soucis, qu'on peut en faire un drame. Ça existe partout. Sachez également que certains candidats à la présidentielle ont déjà reconnu la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi et l'en ont félicité à la suite de tendances de résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Parmi eux, Tony Cassius Bolamba qui, dans une déclaration intitulée Reconnaissance de la réélection du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, a sur son compte X félicité le candidat numéro 20 de
son côté, Constant Mutamba d'indiquer toujours sur son compte X qui, avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Tshisekedi. Et pour sa part, le candidat Noël Tchani, qui s'était désisté en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré que les résultats fournis par la CENI reflètent la vérité des urnes. Notez également que le résultat provisoire de l'élection présidentielle sera publié le 31 décembre 2023 et pour les élections de députés provinciaux et nationaux le 3 janvier 2024. Enfin, pour les élections des conseillers communaux, c'est donc le 4 février 2024. Dans les rues de Kinshasa, pour recueillir les réactions de la population au sujet des résultats partiels de la présidentielle publiée par la CENI. Leurs propos ont été recueillis par Héritier et Tubilando. Suivant. Comment les Kinois ont reçu le résultat partiel publié par la Commission électorale nationale indépendante, plaçant les candidats numéro 20 largement en tête? Ce qui concerne les élections, ça s'est déroulé. Les gens, ou la population congolaise, a voté pour le Tshisekedi. Là, on ne peut pas dire qu'on fait, parce que la CENI a publié ce qui est la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'était de voir le Tshisekedi être réélu président de la République. Là, on ne peut pas dire, parce que c'est ce qu'on a constaté. Moi, j'étais un des observateurs, je suis venu pas mal de sens, j'ai vu ici à Kinshasa, pour moi, les gens ont voté pour le Tshisekedi. Là, je ne peux pas dire qu'on fait. Quel est le meilleur gagnant? Le Congo nous a trouvé, si c'est notre pays, on continuera à rester et garder tous les acquis. Pas question de retourner vers les années derrière. Bonne élection, et le Kinakati en Boka, la vie, c'est Péli Makati. Faut voter qui m'a conduit en Boka machinement. Mon conjoint a dit que voté Bissonnion, ce qui s'est mobilisé, mais il y a un Boka, tu voté président numéro 20. Bon, réaction qu'on a eu, c'est 1000 à mettre. Il y a eu une élection, il y a eu pour gagner. On le voit à présent déjà pour moi qui a crié, ça va. Mais dans le moment de la CENI, personnellement, dans un mois d'ici, pour ça l'élection, moi, il va déjà changer. Je suis très content de toi. Bon président. Quittant la ville de Kinshasa pour la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement provincial de l'Ituri sous l'état de siège met en garde le politique qui tente de déstabiliser la province à travers de manifestations. À en croire le lieutenant Jules Ngongo, la population, surtout la jeunesse, ne doit pas répondre à l'appel de manifestations. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamara. C'est de la folie pure et simple. Vous avez reconnu que tout était bien passé, étant donné que les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant général Luboya Nkashamadjoni, ici en Ituri, nous avons mené un travail remarquable dans la sécurisation des personnes de l'ordre et aussi pour stabiliser la province de l'Ituri. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter à aucun cas, qui que vous soyez, arriver avec des velléités déstabiliser notre province en sensibilisant la population à se soulever contre une décision d'une organisation légalement établie. Faire le contraire, vous allez se heurter contre les forces de défense et de sécurité. Parce que la calmie que nous vivons, c'est au péril de notre vie. La modernisation de la ville que vous observez aujourd'hui, nous avons consenti beaucoup de sacrifices et nous avons déployé beaucoup d'efforts pour y arriver et pour observer ce que vous voyez aujourd'hui. Devant ce genre de déclarations, nous mettons en garde tous les politiciens et plus particulièrement au candidat député national Gratien de Saint-Nicolas. S'il continue à vouloir déstabiliser notre province, à vouloir manipuler les jeunes, à instrumentaliser les jeunes comme il en a fait pour les déplacer, il veut maintenant réitérer cela. Je le mets en garde et je l'exhorte d'abandonner ses chemins parce qu'il n'y aura pas une issue pour ce genre de comportement ici en Ituri pendant cette période. Les leaders communautaires à raviver la conscience collective d'appeler leurs enfants à la retenue, d'appeler leurs enfants
aux valeurs, à pratiquer les valeurs républicaines. Le contraire, c'est ce que je disais en swahili, batakula moshi. Il y a eu les élections, il y a eu ceux-là qui ont voté, et nous devons tous attendre le résultat. Et j'appelle toute la population de l'Ituri, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kasha Madioni, d'observer un comportement républicain. De graves inondations touchent plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, du sud de fortes pluies et de la montée historique des eaux du fleuve Congo ces derniers jours. Un constat établi par Onésime Tsingali. C'est une très forte pluie qui s'est abattue dans une grande partie de la ville de Kinshasa. Quelques principales artères et avenues ont été inondées par l'eau de la pluie. Des habitations de plusieurs quartiers englouties dans l'eau, les familles ont perdu leurs biens matériels et ont été obligées de se déplacer pour éviter les pires, les eaux ayant traversé les maisons. Outre les fortes pluies, la montée historique des eaux du fleuve est à la base de ces graves inondations, notamment au quartier CPA dans la commune de Mongafula, où la situation a impacté sérieusement les quotidiens des habitants. L'eau n'a jamais atteint cette hauteur, comme vous pouvez voir déjà. Okay. En tout cas, ce matin, on a été très surpris. Déjà parce que il y a eu une pluie très forte, il a plu toute la nuit. Et ce matin, en tout cas, on se réveille complètement submergé dans l'eau. Ouais, et les dégâts qui en sont, comme vous pouvez voir, on a dû casser le mur pour faire sortir les voitures par derrière. Donc, l'entrée principale est complètement inondée. Donc, nous-mêmes aussi, on est complètement dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Mais la chose qui nous sauve, on peut dire entre guillemets, c'est que nous, on est en étage. Ouais, donc, l'eau n'a pas atteint certaines fois, mais nos voisins qui sont autour de nous, c'est vraiment catastrophique. C'est Pierre Mouchi, on a toujours venu du fleuve. Alors, moi, je suis venu à la campagne, je suis venu à la campagne. Donc, on se sent joli. Alors, il est vraiment toujours conseillé au secours à Fonzi Amoka et au bateau Basamité en Mawa. Donc, la bise en Mawa vraiment. Notez que la régie de voie fluviale RVF avait alerté mercredi les autorités publiques et la population afin de prendre des dispositions qui s'imposent pour se prémunir de ces inondations qui touchent Kinshasa. La situation des inondations et autres glissements de terre qui frappent quelques villes du pays a été au centre de la cinquième réunion restreinte du gouvernement présidé par le Premier ministre. On croit le porte-parole du gouvernement, de ministres concernés par cette question sont instruits de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'assister notamment de familles affectées par ces catastrophes naturelles. Suivez par votre prière. Le Premier ministre et chef du gouvernement a présidé ce jeudi 28 décembre 2023 la cinquième réunion restreinte du gouvernement à la salle de réunion du bureau du Premier ministre à la primature. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte, à savoir la communication du Premier ministre et chef du gouvernement ainsi que l'adoption de textes. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les vœux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Et à ces propos, il a donné la parole au ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui ont été aussi associés à cette réunion restreinte. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo, ainsi que
des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, il a été complété par les ministres d'État, ministres des Infrastructures, qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'adoption, à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ces textes a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Commencée à 13h37, la réunion restreinte du Conseil des ministres a pris fin à 14h02. Toujours dans la Provence éluturienne, ADF neutralisée, une tâche criblée de balles. Tel est le bilan encore provisoire d'un accrochage entre le FRDC et le rebelle ougandais ADF à Kouamé. C'est à environ 5 km à l'est de Biakoto, chef lieu de la chefferie des Babila Babombi, territoire de Mombasa. L'information a été justement livrée ce vendredi 29 décembre 2023 par le président du Parlement de jeunes de cette entité coutumière, Chanito Mayao, qui appelle la population civile à la résistance en dénonçant justement tout mouvement suspect et à éviter de fréquenter les champs en profondeur. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Nous avions reçu un corps qui est arrivé dans Biakato, à provenance de la brousse de Kawame. Et il y a aussi un rescapé qui est encore vivant, qui est interné au niveau du centre de santé, dont nos militaires l'ont aidé, l'ont retiré entre les mains de ce présumé ADF et lui transporté au dos jusqu'à lui amener à Biakato centre. Il y avait échange entre nos militaires et les ADF Nalu. C'est dans cet échange-là que nos militaires ont réussi à maîtriser un ADF dont son corps continue à agisser aussi dans la brousse. Et le message à toute la population, particulièrement à la jeunesse, c'est d'abord les appelons au partage des informations, qu'on ne néglige aucune rumeur qui peut provenir d'ici ou est là. Nous appelons aussi toute la population à la résistance. Nous appelons aussi la population de patienter, qu'ils ne puissent pas fréquenter les lieux où le massacre est en train de s'effectuer. La nouvelle année 2024, c'est donc dans quelques jours. Comment les Kinois attendent cette année sur le plan de préparation traditionnelle? Héritier de Bilando, elle leur a tendu les micros. Suivez leur réaction. Ce qui est vrai que Dieu nous a fait grâce, on est là, ceux qui sont vivants, ils sont vivants. Pour moi, dans ce pays, c'est Dieu qui fait grâce. Car la fête nouvelle là, malgré l'ambiance un peu haute, parce que nous sommes dans la période électorale et ça considère que sinon, ça se déroule dans le calme, avec un esprit déterminé. Nous avons quand même passé. Vous savez un peu la situation que nous sommes en train de traverser actuellement. L'exagération des prix des barrières alimentaires dans les marchés. Nous croyons à aménager ce dernier temps sain en fait. Malgré cela, tout ça se passe. Tout d'abord, la première des choses, c'est que nous sommes vivants.
Et pour terminer, la machine à écrire est encore utilisée en République démocratique du Congo malgré la présence très répandue des ordinateurs. Elle semble aujourd'hui tenir encore sa place dans l'administration pour certains documents légaux. C'est les cas de jugements rendus dans les tribunaux et tant d'autres qui continuent d'être faits par la dactylographie manuelle. Regardez. Dans les parquets et d'autres administrations publiques, le machine à écrire continue d'avoir du succès. Ici, devant le bureau des affaires foncières de la Gombe-Ngaliema, le machine à écrire sont visibles. Les dactylographes indépendants qui œuvrent ici font la saisie pour remplir les procès-verbaux des dossiers fonciers, les imprimés de valeur et tant d'autres documents dont le format n'est pas encore adapté pour la saisie sur ordinateur. Considérée comme l'épicentre du secrétariat, la dactylographie connaît aujourd'hui un recul face à l'émergence des nouvelles technologies et de l'informatique. Et cette machine, c'est de faire ce que l'ordinateur ne peut pas faire. Nous remplissons par exemple des cartes, nous remplissons par exemple des formulaires, nous remplissons par exemple des PV comme ce que je suis en train de faire ici. Nous remplissons des imprimés des valeurs. Parce qu'il y a des imprimés de valeur qu'on remplit et qui demandent encore la machine à écrire ici. Donc, cette machine a encore sa place, en tout cas, malgré l'évolution de la... À notre machine, nous sommes limités. Donc, le travail que l'ordinateur peut faire en un rien du temps, nous le faisons peut-être... Nous prenons beaucoup de temps à les faire par rapport si nous utilisons par exemple l'ordinateur. Ce que nous utilisons ici sont des machines à occasion. Ce sont des machines à occasion. Donc il n'y a pas vraiment un endroit là où nous pouvons acheter ces machines ici à l'état. Tikawana. Moi, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Si vous remarquez que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Zomona, il y a un autre qui a la contrat avec quoi bêta, pour être calané les alliés. Nous sommes que l'ordinateur, c'est facile, moto, à jouer un mot, à ce qu'elle connaît. Jadis présente dans tous les bureaux, les machines à écrire sont en perte de vitesse face à la nouvelle technologie. Malgré tout, elles ont encore de beaux jours en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.